Father, we thank you. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh, viens Jésus. Viens Jésus. L'épouse déclare. Change-toi. L'église déclare. Fais-le. Je te que ma coupe déborde. Que ma coupe. Mon cœur. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe, que ma coupe de joie et de l'esprit, je te prie. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous t'implorons. Fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde, mon cœur. Viens Jésus. Change-moi. Seigneur, porte-moi. Seigneur, bâtis ma vie. Transporte ma vie. Que ma coupe déborde. Que mon cœur soit conquis, rempli, saturé, inondé. Que ma coupe déborde. Je te prie. Je t'en supplie. Fais-le, je transformer, façonner, établir, enraciner. Que ma coupe déborde. Change-moi. Seigneur, fais-le. Infiniment abondamment, Père, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons par ta puissance. Fais-le, assurément, ne nous laisse pas où nous sommes. Fais-le, que des fleuves d'eau vive continuent de jaillir de notre âme intérieure. Que ta réalité soit notre expérience. Nous sommes là pour t'offrir un culte. Un culte conduit par toi. Rends-le agréable. Rends-le inspiré. Rends-le conduit par l'Esprit. Si nous sommes là malgré nos luttes, malgré nos défis, malgré nos combats, malgré nos imperfections, si nous sommes là, semaine après semaine, c'est parce qu'au plus profond de nous, la parole ne nous a pas fait fuir. La parole nous a rapprochés. Et ce que tu envoies comme parole,
nous donne envie de nous abandonner et de dire plus que jamais, bâtis-nous, enracine-nous, affermis-nous, consacre-nous, circoncis nos cœurs. Oh, nous t'implorons, sois pleinement formé en nous, pleinement exprimé, manifesté, visible. Oh Christ, déteins sur nous. Merci pour cette belle œuvre que tu as commencée à travers nous. Tu la rendras parfaite, nous en sommes certains. Voilà pourquoi nous déclarons et décrétons que la honte, l'embarras, la confusion, la mort prématurée, la disgrâce, la maladie chronique, la maladie qui assassine, ne seront pas notre partage au nom de Jésus. Non. Notre partage, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une vie de gloire sera notre histoire et notre expérience. Qu'importe comment elle a commencé, elle finira bien. Parce que Christ en nous ne peut pas être défait, vaincu, oppressé, harcelé, tourmenté. Merci de ce que tu fais en sorte, par la puissance de ton esprit, que Christ soit notre vie. Au nom de Jésus. Merci de ce que tu entends ces soupirs de nos cœurs et de ce que tu y réponds favorablement par une nouvelle dimension de fleuve d'eau vive, une nouvelle dimension de feu, une nouvelle dimension de faveur et de témoignage, de vigueur et de vitalité. Merci. Alpha de nos vies, nous te reconnaissons comme l'oméga. Cette œuvre, tu la rendras parfaite. Alors à toi, louange, honneur et gloire, et maintenant et dans toutes les générations. Par la puissance de ton esprit qui agit en nous, fais-le, fais-le, je te prie, fais-le, je te prie. Merci pour entier. Merci d'entendre. Merci de répondre à nos prières. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bienvenue à Impact Saint Chrétien. Bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes en communion avec nous à travers les nouvelles technologies. Bienvenue à la famille internaute. Bienvenue à chacun d'entre vous. Il y a trois ans, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et bienvenue, on acclame le Seigneur pour ceux qui sont connectés avec nous, pour cette grande et magnifique famille. In Jesus' name. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, veuillez vous asseoir dans sa présence. We thank you, Lord, for your strength and ability. Thank you. Alors, avant de commencer mon message, je voudrais nous avons un séminaire qui commence le vendredi avec le pasteur Greg. J'ai reçu la conviction hier soir seulement. Je ressens que l'Église a besoin de prière. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir discerner les choses. Et je ressens que, et je crois que cette parole sur la soif ne vient pas pour nous donner des informations. Mais lorsqu'on reçoit, il faut pratiquer instantanément. Et donc j'ai aménagé le programme de l'église pour cette semaine. J'ai déplacé la rencontre avec les nouveaux arrivants, qui me tient à cœur. Mais là, vraiment, il faut d'abord prier. Je ne te serai d'aucune utilité là si on se voit. Non, on a besoin de prière. Il faut sentir les choses. Là, je sens qu'il y a besoin de prière. Donc il y a besoin de prière et cette convocation de mercredi et jeudi, ça va nous permettre de préparer le séminaire. Parce que si on ne prépare pas le séminaire avec un bon moment de prière, ce séminaire, on est déjà bien enseigné le dimanche. Ça ne sera qu'un enseignement de plus. Il ne faut pas que ce soit un enseignement de plus. La qualité de la préparation détermine la qualité de la performance du Saint-Esprit. La préparation est la clé. Voilà pourquoi mercredi et jeudi, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont soif de Dieu. C'est pour ceux qui ont soif de Dieu. Donc ne t'inquiète pas, si on ne te voit pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas soif de Dieu, ce n'est pas la conclusion.
Mais il y en a qui ont des engagements aussi professionnels. Et puis il y en a qui n'ont pas d'engagement, mais qui ont juste des excuses. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème. On reste ensemble, on est une famille. Dis amen. Amen. Dis à ton voisin, en tout cas, nous, moi-même, je serai là. Moi, je serai là. Moi, Ivan Castanou, je serai là. Et on va chercher Dieu. Dis à quelqu'un, ne sous-estime pas la puissance de la soif. T'assure, hein? La soif, là. Ne sous-estime pas la puissance de la soif. La deuxième annonce importante que je voulais donner, c'était celle concernant le camp des stars. Je ne pense pas que vous ayez compris ce que c'est. Mais le camp des stars, c'est quelque chose sur lequel le Seigneur nous a instruit en début d'année. La nécessité, Impact Conférence est un événement qui est ouvert à tout l'extérieur, organisé par Impact Centre Chrétien, mais ouvert à tout le monde. Et le camp des stars, c'est vraiment un moment fermé, ouvert uniquement aux gens qui sont les stars, les serviteurs ou les servantes travaillant activement pour le royaume de Dieu. Ce sera notre moment de partage, d'édification, de communion, d'échange, d'aiguisement et tout ça là, avec ce que le Seigneur permettra. Et le nombre de places est très limité. Évidemment, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Parce qu'on va, prendre un jour, le week-end de mai, là, où il y a un pont. Et il y a une participation à peu près, je crois, autour de 155 euros par personne. Mais c'est comme ça qu'on prend deux nuits sur place. C'est à Lille, on va aller. On a pris un endroit qui peut accueillir 800 personnes. Et on veut que ce soit un camp des stars. En fait, bon là, je sais que ça va être chaud, mais l'idée, c'est de faire un camp pour toute la famille Impact Centre Chrétien. Donc tous les campus de France et d'Europe. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 800 places, ça va être chaud. Mais il faut qu'on le fasse. Donc si tu ne t'inscris pas, vraiment, ce n'est pas grave. Je te garantis que beaucoup d'autres vont s'inscrire parce que beaucoup d'autres ont envie d'avoir ce genre de moment-là. On va dormir sur place, veiller sur place, communier ensemble, prendre le petit déjeuner ensemble, dîner ensemble. Par contre, il y a un seul repas par jour. Donc, voilà. Tu viens pour manger, reste chez toi. Petit déjeuner et puis dîner seulement. Midi, enfin, je ne sais pas, en fait, il y a l'un des deux. Sinon, si tu veux payer plus, c'est 20 euros. Voilà. Mais on ne va pas pour manger, on va pour communier. Puis nous, on est habitués à manger une fois par jour. Donc, on est habitués. Et puis, je vais t'entraîner avec moi. Hein? Voilà. Afin que le ventre diminue. Alléluia. Toute vérité n'était pas bonne à dire. Je comprends, mais je tiens à te dire que vraiment, sois assuré vraiment qu'on est ensemble. Je veux que tu dises à ton voisin, non, vraiment, 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 on est ensemble. Voilà. Voilà. Dis-moi un bon gloire à Dieu et puis acclame le nom du Seigneur, acclame la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors je voudrais aujourd'hui continuer toujours dans l'impact de la soif dans la manifestation de Christ. Je ne sais pas quel est le plus grand secret dont le pasteur Craig va parler, j'en ai aucune idée. Mais je sais que il n'a pas dit le seul secret. Je crois qu'il y a des échelles de valeur, mais je sais que la soif est l'une des clés et l'un des secrets les plus importants. Donc, si l'on aborde un autre, c'est tant mieux, ça t'en fera deux. Quelqu'un dit amen? Voilà. Mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Je crois que la soif, c'est un ingrédient indispensable. Il y en a d'autres qu'on verra après, au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous enseignera. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas, il faut comprendre ça, Église, il n'y a jamais de visitation divine sans soif divine. C'est impossible. Dieu ne se manifeste pas là où il n'est pas ardemment désiré. Dieu ne se manifeste pas dans un domaine de ta vie où tu ne le désires pas ardemment. De risque, s'il ne se manifeste alors qu'il n'est pas désiré ardemment, je dis bien ardemment, de risque, de crainte, de peur que tu ne le banalises, que tu ne le prennes pour acquis ou que tu ne le méprises. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Jérusalem, mais voilà pourquoi, pardon, pas à Jérusalem, à Nazareth, et voilà pourquoi à Nazareth, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'a pas manifesté sa gloire. Il ne se manifeste pas là où il n'est pas ardemment désiré. Jean, chapitre 1, dit que Jésus est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Pourquoi les siens ne l'ont pas reçu? Parce que les siens, le peuple juif de l'époque, n'avaient pas soif de la réalité de Dieu et ils étaient satisfaits par leur religion, par leur dogme. Ils n'avaient pas soif. Voilà pourquoi il est allé vers les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit
que Dieu invite les personnes qui ont soif de lui, qui soupirent après lui. Et je répète, nous avons dit, tu ne peux pas voir Dieu se manifester dans un domaine de ta vie où tu ne soupires pas ardemment après lui, où tu n'as pas ardemment soif de lui. Alors, je vous ai dit que la soif de Dieu dans le cœur provoque une pression spirituelle. La soif de Dieu provoque une pression spirituelle, comme quand on secoue une bouteille de champagne, et quand on la secoue, à un moment donné, il y a une pression qui s'accumule à l'intérieur, et lorsque la pression s'accumule, pouf, le bouchon finit par exploser. Bref, le bouchon finit par sauter parce qu'une force est libérée. Et c'est exactement ce que fait la soif. À force de cultiver la soif, il y a une pression intérieure dans ton homme intérieur qui est en train de bouillir. À un moment donné, pouf, ce sont des fleuves d'eau vive qui se déversent de ta vie. Et c'est ça la puissance de la soif. Ne sous-estime pas quelqu'un qui est assoiffé. Une personne assoiffée est une personne qui deviendra puissante dans quelque temps. Pas une personne qui prie, une personne qui a soif. Je prie que ton niveau de soif de Dieu augmente comme jamais auparavant au nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. La soif de Dieu, pas la soif de ce que Dieu peut donner, la soif de Dieu. Pas la soif du don, la soif du donateur. C'est ça qui fait la différence. Si tu as la soif du don, tu ne verras pas la différence. Je vous ai dit que les personnes assoiffées de Dieu ne font pas que prier. Ce sont des personnes qui persévèrent. Et quand elles persévèrent dans la prière en demandant, pas les dons, mais le donateur. Pas les bienfaits, mais le bienfaiteur. Pas les choses, mais Dieu lui-même. Parce que les personnes qui ont soif de Dieu ont compris que c'est Dieu seul, quand il fait irruption dans les affaires des hommes, qui fait la différence. Ils ont compris. Bien-aimés, c'est la clé. Il faut que notre manière de prier, les gens assoiffés sont des gens qui prient et qui persévèrent dans la prière. On ne peut pas être assoiffé sans prier. Si tu me dis que toi tu es assoiffé de Dieu et que tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas un assoiffé de Dieu. La soif te pousse à aller chercher, contempler sa face. La soif te pousse à te tenir dans sa présence. La soif te pousse à te prosterner et à gémir et à soupirer. Et à dire, je ne suis pas satisfait. Je t'en supplie. Ma vie n'est que misère. Ne me laisse pas où je suis. La soif peut te faire pleurer de désespoir. Je prie que Dieu augmente ta soif au nom de Jésus. Les gens que Dieu visite sont les gens qui ont soif. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma soif. Les assoiffés de Dieu cherchent Dieu, pas les choses que Dieu peut offrir. Ils cherchent Dieu. Ils ont compris que quand Dieu vient, ce sont des fleuves d'eau vive. Et soudainement, ce qui était sécheresse dans ta vie reprend vie. Ce qu'on avait dit sec recommence à fleurir. Quand il vient, c'est un feu. Ce qu'on avait dit, lien, joug, fardeau, soudainement est en train de céder. Crac, 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 pas. Parce que l'onction, le feu consume tout sur son passage. Quand il vient, c'est comme un vent impétueux, comme un tourbillon. Il emporte ce qui n'a pas planté. Tout ce dont tu as besoin, si ce n'est pas... Il faut chercher Dieu seul. Il amènera... Dieu ne vient jamais les mains vides. Je n'ai pas entendu toi-même. Amen. Les gens qui ont grandi dans les petits pays d'Afrique, ils ont, dans nos petits pays, là, quand tu allais voir le chef de l'État, tu sais que tu ne vas pas sortir de là, il va toujours te donner quelque chose. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent des œufs d'or sur le point de chef. Bon, peut-être pas en France. Hein. En France, là, dans les pays occidentaux, là, le chef de l'État te reçoit. Hein? Il te reçoit et puis te salue, il te dit, bon, repartez chez vous. Ah! Bon. En tout cas, en Afrique, là-bas, quand tu sais que tu as audience, il y a des pays, hein, quand on te reçoit en audience, quand il dit j'arrive, il va dans une pièce là, quand il amène une valise, tu souris déjà. Bon, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Parce que le chef de l'État ne peut pas te laisser partir sans des billets. Hey, l'Occident, faut vous ajuster vous aussi vraiment. Excès de démocratie. Hein?
Comment on peut agir sur le chef de l'État? On sort le chef de l'État, il dit seulement bonjour, et puis il te salue sur le palais de l'Élysée. On s'en moque de ton palais de l'Élysée. Le gars veut voir clair, mon gars. Donne-lui l'argent, monsieur le président. Bon, laisse tomber. Oh! Donne l'argent, mon gars! Au temps biblique, quand on se prosternait devant le roi, longue vie au roi, le roi donnait des cadeaux. Quand tu l'as adoré, il te donne un cadeau. Bon, enfin, bref. Hein? Les temps anciens, vraiment, parfois étaient quand même mieux. Hein? Quand Dieu vient, il ne vient jamais les mains vides. Il a toujours des paquets. Et ces paquets soient ton partage au nom de Jésus. Dès lors, mon frère, ma soeur, ne soupire pas après une guérison. Ne soupire pas après une délivrance, non. Soupire après l'esprit de vie. Pour qu'il vienne et qu'il marche en toi. Qu'il irrigue ta vie, ton corps de sa vie. Soupire après l'esprit de liberté. Ne soupire pas après, oh moi ma délivrance, moi ma délivrance. Non, soupire après l'esprit de liberté. Si le Fils vous a franchi, c'est pour la liberté. Mais il ne faut pas soupirer après la liberté, il faut soupirer après l'esprit de liberté. Parce que c'est lui qui libère. Soupire après l'esprit de vie pour qu'il marche et qu'il marche dans ton corps. C'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Paul dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dis au milieu d'eux. Bar, me dis dans ta Bible, c'est pas ça. Ça, c'est lui second. C'est pas ça. Au milieu d'eux, c'est N en grec. La version anglaise dit I will dwell and walk in them. À l'intérieur d'eux. Le premier sens littéral du mot EN en grec signifie parmi, à travers, ou encore dedans, ou encore à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, quand je lis la Bible en français, là, je dis, mais vraiment, les gars, mettez les bons mots, vraiment, mettez les bons mots. Le mot haine a plusieurs significations. La plupart du temps, c'est à l'intérieur. Et les traducteurs ont dit, non, on ne peut pas dire à l'intérieur, quand même. Si on dit ça, là, c'est choquant. Non, c'est à l'intérieur. Je marcherai en eux, j'habiterai. Oh, est-ce que Dieu habite au milieu de nous? Bien sûr qu'il habite au milieu de nous, il est Emmanuel. Dieu est avec nous, c'est vrai. Mais il est au milieu de nous, mais en vérité, il est en nous. C'est ça le mot haine. Hein? Dieu n'habite pas au milieu de moi, au milieu de nous. Dieu habite en nous. Dieu marche en nous. Le mot grec, c'est emperipateo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire circuler comme un garde-frontière. Marcher, faire une inspection. Il check le garde-frontière, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la frontière et il fait la surveillance. Dès qu'il voit qu'il y a une brèche qui a été ouverte, il vient et puis il referme la brèche. C'est ça qu'il dit là, quand le Saint-Esprit, il dit je marcherai, ça veut dire je circulerai comme un garde-frontière, je vais sillonner dans votre corps, je marcherai. Et quand tu vois un virus, un poison qui est entré dans le sang, le poison, on ne sait pas où il est passé, mais quand il marche, il prend le poison. Le poison. Quand on fait, voilà pourquoi, quels que soient les résultats des examens, n'aie pas peur si on te dit que la chose est toujours là. Sache qu'une chose peut être là, mais être complètement circonscrite, neutralisée, immobilisée, là. Comment cette chose, normalement cette chose aurait dû se propager, mais non, elle a été immobilisée par une main divine, bloquée là. Ne t'inquiète pas de ce qu'on trouve dans ton corps. Tu dois comprendre que celui qui est né de nouveau marche par la foi du Fils de Dieu et non pas par... Il ne vit plus... Il ne vit plus par ce qu'il y a dans son sang. Il vit par... Et là, c'est quel mot encore? Haine. C'est le même mot grec. Si je vis maintenant, je vis, dit Paul, haine. À travers, pas à l'intérieur, à travers la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est cette foi-là qui me fait respirer. Ce n'est plus ce qu'il y a dans mon sang. Ça ne marchera que si j'en suis conscient. Et si j'y crois. Je n'ai pas entendu.
j'habiterai et je marcherai. Soupire après l'esprit de vie. Dis-lui, c'est ton temple. Marche toi-même à l'intérieur. Esprit de vie. Mais que fait l'esprit de vie quand il marche? Et quand il marche, que fait l'esprit de mort quand il opère quelque part? Mais partout où il passe, il sème la mort. Que fait l'esprit de vie? Partout où il va, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie. Soupire après l'esprit de vie. Soupire après lui. Et c'est ce que te dit Romains 8, verset 11, bien-aimé. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Il faut lire ça. Il faut t'arrêter et puis lire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc il a tort de dire l'esprit de Dieu, l'esprit du Père. Ici, il habite en vous. Il dit celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de rendre la vie à notre corps mortel. Voilà pourquoi j'ai toujours été étonné du jour où on a lapidé Paul, on l'a laissé pour mort. Les cas l'ont lapidé. Toi, tu as vu comment on lapide les gens? Il faut voir les films. Hein? Comment on lapidait les gens? Et Étienne, ils ne l'ont pas raté. Ils étaient sûrs que Paul était mort. Mais la Bible dit, Paul se réveille, il se relève, et puis il rentre dans la ville. Et oh! Mais comment quelqu'un qu'on a lapidé? C'est comme si on te dit, tu veux faire un accident de voiture. Hein? La voiture cabossée. Bon, c'est même pas pareil, parce que la voiture cabossée, tu peux être intact. Mais on n'a pas lancé des pierres sur la voiture, on a lancé des pierres sur Paul. Donc tu as des marques de partout. Et puis ils sont partis, ça veut dire que les gars, ils ont eu la certitude que tu es mort. Et Paul se lève. C'est quoi? Comment il fait pour se lever comme ça alors que normalement il est censé être à moitié laissé pour mort? La Bible dit, il se lève et puis il va dans la vie et puis il continue ses jours. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que cet esprit-là fait beaucoup plus que ce que nous vivons et expérimentons. Voilà pourquoi je dis, il faut que tu vives en moi. Ne me laisse pas où je suis. Il y a des dimensions que je ne connais, je n'expérimente pas encore, mais je sais que c'est ça. Rends-moi conscient de ça. Accorde-moi la grâce d'accepter ça. Ça doit être mon naturel au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas pour toi, mais si c'était toi, moi j'aurais dit un meilleur amen. Ne soupire pas après la guérison. Soupire après l'esprit de vie. Il m'a dit, ne soupire pas après l'argent. Soupire après le Saint-Esprit. Si tu soupires après l'argent, tu peux trouver l'argent. Mais l'argent peut être sale. Est-ce que tu sais que si tu soupires après l'argent, quelqu'un peut t'emmener l'argent? Parce que tu sais que si l'argent qu'on t'emmène est de l'argent sale, de l'argent de trafic, de l'argent volé, et que tu l'acceptes, est-ce que tu sais que tu deviens complice de recel, de vol? C'est ça qui est terrible. Tu n'as rien fait, quelqu'un dit, on t'apporte de l'offrande, on t'apporte l'argent. S'il a volé cet argent-là, on va te mettre en prison comme on le met en prison parce que tu as accepté de l'argent qui a été volé. Je dis, ah, mais moi, on m'a donné. Non, non, non. Non, c'est l'argent volé, tu es complice de vol. Donc ne soupire pas après l'argent. Soupire après le Saint-Esprit. Soupire après le pourvoyeur. Soupire après celui dont la bénédiction enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu, qui sont accompagnées de beaucoup de chagrin. Voilà pourquoi Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce ne sont pas toutes les bénédictions qui enrichissent. C'est celles qui viennent de Dieu qui enrichissent et qui ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Ce ne sont pas tous les bienfaits qui enrichissent. Il y a des bienfaits, quand tu les as reçus, ça t'empoisonne. C'est après. Voilà pourquoi il faut que tu soupires pour que Dieu soit celui qui est derrière. Ne soupire pas, n'aie pas soif d'être connecté à des gens riches, à des gens qui sont puissants, à des gens qui sont des autorités. Oh, j'ai besoin de rencontrer le préfet, le ministre. Oh, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de rencontrer. Non,
soupire pas après ça. Soupire après le Saint-Esprit, le maître des temps et des circonstances et des connexions divines. Parce que si tu soupires après les gens, tu peux les trouver. Mais ces gens peuvent s'avérer, comme c'est le cas dans le monde, être méchants, avoir des mauvaises intentions, avoir des mauvaises pensées et te causer du tort au final. Ne soupire pas après des gens importants. Soupire après le Dieu important, le Dieu tout-puissant. Demande-lui, psaume 32, verset 8. Dis-lui, Seigneur, tu as promis de m'instruire, de me montrer la voie que je dois suivre. Tu as promis de me conseiller et d'avoir le regard sur moi. C'est vrai que Dieu passe par les gens. Dieu passe parfois par des gens importants. Mais ne soupire pas après les gens importants. Soupire après Dieu et demande-lui de réveiller l'esprit des gens qu'il a préparés. Parce que quand Dieu va te visiter, te libérer, te faire du bien, ça passe toujours par des gens. Je n'ai pas entendu, amen. Mais ne désire pas ardemment les gens. Désire ardemment Dieu. Et demande-lui, Seigneur, réveille les bonnes personnes. Celles que tu as préparées. Tu vois, Dieu a toujours préparé. Quand Dieu veut visiter son peuple, tu as toujours quelqu'un par qui il va passer. Mais ne désire pas la personne, désire Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Demande-lui de réveiller, je disais, l'esprit des gens qu'il a préparés. Quand il fallait préparer la Pâque, Jésus a dit, allez dans la ville. Vous allez trouver un anon, vous allez trouver quelqu'un. C'est pareil quand il a fallu prendre l'anon. Il a toujours une directive. Quand il a fallu préparer la Pâque, allez à tel endroit, vous allez voir un monsieur. Dites à ce monsieur, le maître demande, où est, dans quelle chambre as-tu préparé, quelle chambre as-tu préparé pour que nous passions célébrer la Pâque. Il y avait quelqu'un qui avait déjà préparé. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Pour le retour d'Israël à Jérusalem, il y a quelqu'un que tu avais préparé qui s'appelait Cyrus. Plus de 500 ans avant sa naissance, Dieu l'avait déjà préparé, prédisposé. Dieu avait déjà prévu que Cyrus allait le faire. Alors il m'a dit, quand tu as besoin de connecter avec des gens importants, et d'ailleurs, ICC, pour notre temple que nous devons construire, il m'a dit, parce qu'on on bénit Dieu pour notre mobilisation financière, mais la vérité, c'est qu'on est encore loin du but. Je ne suis pas inquiet. Il m'a dit, c'est pour ça que je n'en parle pas tous les jours. Je n'ai pas la conviction de demander toujours aux gens, il faut donner. Je n'ai pas envie de faire ça. Il m'a dit non, demande-moi. Il y a des gens que j'ai préparés. Demande-moi de réveiller les gens que j'ai préparés. Et non seulement de les réveiller, mais prie. Pourquoi tu dois prier pour ça? Tu dois demander à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan est le spécialiste en assoupissement et en sommeil. Il peut assoupir, endormir les gens. Demande-moi de réveiller les gens que j'ai préparés. Et demande-moi de les instruire. Parce qu'il faut seulement qu'ils se réveillent, mais il faut qu'ils entendent ma voix leur dire, fais comme ça. Amen. Esdras 1 au verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Cyrus a ordonné que tout ce qui était d'Israël se lève et aille rebâtir Jérusalem dans la ville qui avait été complètement détruite. C'est Cyrus qui a ordonné le roi de Perse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a réveillé son esprit. Esdras chapitre 1 verset 5. Esdras 1, verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Seigneur, je te prie de réveiller l'esprit des gens que tu as déjà préparés pour ce projet-là. Il y en a assez de dire à quelqu'un, donne. Seigneur, lui là, il me fatigue. Réveille l'esprit des gens que toi tu as préparés. Regarde. La veuve de Sarepta avait été préparée par Dieu. Mais elle était assoupie. Et donc, quand Élie vient lui parler, elle dit, non, moi, je n'ai que ça à manger. Non, moi, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je mange ça et puis je meurs. Pourquoi? Son esprit était assoupi. Mais dès qu'Élie lui a parlé, son esprit s'est réveillé. Elle a dit, oh, c'est vrai, je vais obéir à ta parole. Ça veut dire qu'en fait, elle avait été préparée, mais elle ne le savait pas. Dieu a réveillé
son esprit. Agé chapitre 1 au verset 14. La Bible dit, l'Éternel, Agé 1 verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Ne soupire pas après des gens importants. Soupire après le Dieu qui réveille les esprits qui sont assoupis et qu'il a préparé lui-même afin que ces gens exécutent sa volonté. Pas la tienne, mais sa volonté. Quand tu as compris ça, tu comprends pourquoi il faut soupirer après Dieu seul. Dis à quelqu'un, ne soupire pas après les choses. Soupire après Dieu. Ça veut dire soif de Dieu. Et ne soupire pas après le mariage. Soupire après Dieu. Et là maintenant, rien les sourires. Ne soupire pas après le mariage. Soupire après le Saint-Esprit. Soupire. Fais de lui tes délices. Dis-lui que tu lui appartiens. Dis-lui, accomplis tes desseins dans ma vie. Je sais que dans ta volonté, il y a le mariage. Je sais. Je ne désire pas le mariage, je désire toi. Pas parce que je suis marié que je suis frustré. Non! Tu es frustré parce que tu fous rien de ta vie. Va travailler. Va annoncer la bonne nouvelle. Fais quelque chose. Sois sur le chemin de ta destinée. Tu verras que tu es tellement occupé. Tu es tellement occupé à la productivité, à construire, à faire le bien, à servir, que tu n'as pas le temps de t'angoisser, de t'apitoyer, de soupirer, de gémir. Les gens qui se plaignent tout le temps sont les gens qui ne foutent rien de bon. Pardonnez-moi l'expression. Comédien, comédienne, tu offenses le Saint-Esprit tous les jours. Ah, Seigneur, mon mariage, il y en a assez de ce genre de prières. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la sainte colère de Dieu qui parle en moi. Soupire après le Saint-Esprit. Fais de lui tes délices. Il connaît les désirs de ton cœur. Il n'est pas ton délice et tu veux qu'il se soucie de toi? Toi, tu te soucies de son œuvre, de ses intérêts? Non. Tout ce que tu veux, non, moi, tant que je ne suis pas marié, je ne fais rien. Et tu sais quoi? Comme par hasard, après le mariage, tu fais encore moins rien. Pourquoi? Ah, maintenant, sinon, je ne peux plus, hein, il y a mon mari. Et après le mari, Seigneur, il y a les enfants. Je n'arrive pas à te servir. Je suis bien disposé, je n'arrive pas. Comédienne. J'assume, comédienne. Hippocrites, actrice, acteur. Joueur de théâtre. On n'a pas besoin de joueurs de théâtre ici. Dans cette génération, Jésus revient bientôt. On a besoin de véritables adorateurs. La soif de Dieu. Si tu n'aimes pas ce que je dis, ça ne me gêne pas. J'aime ce que je dis, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Si Dieu aime, ça me suffit. Pourquoi? Mon âme soupire après lui, pas après toi. Mon âme prie pour toi, mais soupire après lui. Soupire après le Saint-Esprit. Tu as le droit de lui demander la grâce de ne pas rater ta saison. Mais soupire après lui. Une sœur, je connais, soupirait tellement après le mariage. Elle a fini par se marier. Elle est tombée sur un homme qui avait l'air d'un agneau, mais qui était déguisé. C'était un loup. Elle a fini par la frapper. Mais ce qui est le plus terrible, c'est même pas qu'il ait frappé. C'est déjà très très mal. Le plus terrible, c'est que je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi à cacher, alors que c'est obligatoire en France. Ça s'est passé en France, il a réussi à cacher qu'il avait le VIH. Donc non seulement il l'a frappé, il avait le VIH. Et par la grâce de Dieu, elle a été préservée. Quelques temps après, le frère est mort. Sa vie n'est que naufrage. N'a été que naufrage et désastre. J'ai eu pitié. Parce qu'à l'époque, on était à Ivry, elle a quitté ICC sur un esprit un peu critique. Elle est revenue me voir il y a quelque temps en pleurant. Elle dit, je n'aurais jamais dû quitter mon église. Je demande pardon. Ma vie a basculé parce que j'ai quitté un Pax Christi. J'avais ma famille. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu pitié d'elle.
Saint-Esprit m'a dit, ne soupire pas après le mariage. Tu ne sais pas. Toutes les bénédictions n'enrichissent pas. Soupir, et soif de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit me disait, il y a une différence entre te soigner toi-même et faire appel à un expert, un spécialiste, un médecin spécialiste. En te soignant toi-même, dans l'automédication, tu supposes, tu ne sais pas, tu supposes que tu sais d'où vient le problème, mais tu vis dans la supposition. La différence entre toi et le spécialiste, le médecin spécialiste, c'est que toi, tu supposes, tu tâtes le corps. Le médecin spécialiste, il a des appareils, IRM, scanner, arthroscanner. Il a toutes sortes d'appareils. Toi, tu touches le corps. Lui, avec ses appareils, il voit l'intérieur du corps. Donc, il peut savoir c'est quoi le problème exact. Parce qu'avec les radios, on peut voir, sauf les démons. C'est pour ça que les appareils aussi ne sont pas parfaits. Finalement, celui qui voit tout, l'invisible et le visible, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Bref, le médecin spécialiste sait mieux que toi ce qu'il te faut. Si c'est vrai, dis amen. Maintenant, imagine-toi la personne qui va voir le médecin spécialiste. Docteur, je sais que vous êtes spécialiste, mais donnez-moi tel médicament pour tel pour mon problème. C'est ça qu'il me faut. Il va te dire, monsieur, excusez-moi, les analyses que je vois, les examens. Non, 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 c'est ça que je veux. C'est ça le médicament. Tu vas dire, mais si alors, si on te raconte que quelqu'un a fait ça, tu vas dire, mais il est insensé. Il ne connaît pas mieux que le spécialiste. Il a les appareils. Toi, tu n'as pas d'appareil. Tu ne marches pas à tâtons, tu tâtonnes. Et pourtant, tu vois, tu dirais que c'est insensé. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. On va dire à Dieu, je veux ça. Alors que Dieu n'est pas spécialiste, il est le spécialiste des spécialistes. L'expert des experts. Celui qui voit l'invisible et le visible, qui sait mieux que toi ce qu'il te faut. Et toi, tu viens dire, c'est ça que je veux qu'il me rendra heureux. Dieu dit non, demande ma volonté. Le spécialiste te dira, laisse-moi faire. Dieu dit, laisse-moi faire. Dieu dit non. Ce qui est incroyable, c'est que pour le médecin spécialiste, tu le laisses faire. Dieu, tu ne le laisses pas faire. Et on s'appelle intelligent parce qu'on a papier et qu'on a étudié. J'ai un bac plus 5 d'ignorance. Non, ça va bien aujourd'hui, t'inquiète pas, je suis pas. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, le pasteur Ivan? Non, non, ça va. Alléluia. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Tu vois, tu le dis avec une telle mollesse. Je te donne l'occasion de recommencer. 1, 2, 3. Voilà. Acclame, 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 acclame. Et c'est la soif de Dieu qui te permet de chercher Dieu avant toute chose. C'est la soif de Dieu qui te fait haïr ta propre vie et lui dire, Christ vit en moi. Pas moi, mais toi en moi. Parce que c'est un choix. Tu as le pouvoir de choisir. La plupart du temps, tu choisis de vivre ta vie à toi. Mais ceux qui ont soif de Dieu disent, Seigneur, pas moi, pas ma vie, mais ta vie en moi. C'est la soif de Dieu qui te fait renoncer à ta propre volonté au profit de sa volonté. C'est la soif de Dieu qui te fait voir ta propre volonté comme misérable. C'est la soif de Dieu qui te fait voir comme de la boue, comme une perte, ces choses dont tu pensais qu'elles définissaient hier la réussite. Une vie épanouie. Ah, pour moi, une vie épanouie, c'est une bonne carrière professionnelle. Une vie épanouie pour moi, ce sont des titres. Pasteur, évêque, prophète, directeur, PDG, leader, manager. Des diplômes. Lorsque la soif de Dieu remplit ton cœur, ces choses qui étaient hier pour toi des idéaux deviennent comme de la boue.
devienne comme une pure perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te convainc qu'au-delà de ces choses que tu appelles réussite, il y a une dimension de vie que tu ne connais pas. Tu as peur d'un virus. Tu as peur d'un démon. Tu as peur. Dès qu'on dit attention, tu as peur. Dès qu'on dit pollution de l'air, tu as peur. L'air est pollué, tu as peur. Je refuse d'être effrayé quand l'air est pollué. Je dis ma respiration, quel que soit ce qui est pollué à l'extérieur, comme moi je respire la vie divine. Amen. Des fois les hommes me disent attention, il y a des bactéries. Je dis mes mains sont sanctifiées. Je ne prends pas. Et si elles sont collées à moi, elles deviennent elles aussi divinement sanctifiées. Je ne sais pas comment, mais je ne serai pas Satan. Ces choses qui étaient un gain. Quand tu as la soif de Dieu, la soif de Dieu va te faire voir ces choses comme une pure perte. Paul a vu ses diplômes comme une perte. Instruit, formé au pied de Gamaliel, hébreu, né d'hébreu, pharisien, quelqu'un d'intelligent selon le monde. Et il dit ces choses. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! C'est la soif qui fait ça. C'est la soif qui fait ça. C'est la soif qui te fait continuellement courir vers le but de Dieu pour ta vie. Et tant que tu ne l'as pas atteint, tu ne te laisses pas séduire par les acclamations de la foule, par les statistiques excellentes, par les accomplissements et les performances extraordinaires selon les hommes. Tant que tu n'as pas atteint le but, tu n'es pas satisfait. À cause de quoi? La soif. Paul dit dans Philippiens 3, versets 13 à 14, « Frère, en parlant du prix, je ne pense pas l'avoir saisi, en parlant du but, pardon, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Les gens regardaient à Paul, à sa vie. Et les gens disaient à Paul, mais Paul, voyons, s'il y a quelqu'un qui a tout vu, tout vécu, tout connu avec Christ, c'est toi. Tu as vu toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes. Et d'ailleurs, toi-même, Paul, tu l'as reconnu, tu l'as attesté. Dans Romains 15, au verset 18 à 19, toi-même, tu as dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole. Donc Paul, tu es un homme de la parole. Par les actes, Paul, tu es un homme des actes ou encore des œuvres. Par la puissance des miracles et des prodiges, Paul, tu es un homme de dunamis. La puissance des miracles et des prodiges, Paul, tu as vu des résurrections de morts quand même. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc, normalement, Paul, s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a tout vu, il a tout connu, il a tout expérimenté avec Dieu, c'est toi. Tu as bâti tellement d'églises. Tu as annoncé Christ là où il n'avait jamais été annoncé. En plus, tu as bâti tellement d'églises, mais en plus, pour couronner le tout, mon gars, dans une seule vie terrestre là, toi, tu as été au ciel trois fois. Tu as vu des choses qu'on ne peut pas décrire ni exprimer. Trois fois, pas une fois. Pas en songe. Ce n'est pas un songe. Il a été transporté trois fois. Et il a reçu des révélations terribles dont personne n'a parlé. Les dominations. Où il a pris ça? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les méchants, le cosmos Kratopas, Arcas, Pneumoticas, Ponerias. Tu as pris tout ça où? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les invisibles comme les visibles, trône, dignité, autorité, puissance. Comment tu les connais ces choses-là? Est-ce que tu as eu cette connaissance-là? Personne n'en a parlé. Personne n'a mentionné ça. Oh, il a eu ça. Il a visité le ciel trois fois. Il a vu des choses que personne n'a vues. Donc le gars peut dire normalement. Franchement, là, Paul, lui, là, il a atteint une dimension. Oh là là, lui, il peut dire que c'est bon. Non, Paul dit, les gars, malgré tout ça, non.
oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Je me projette vers l'avant, je cours vers le but. Toi, toi aussi, oui. Oh, comment ça? Qu'est-ce qui fait que Paul continue de courir comme ça? La soif. Il dit, ce que tu vois là, c'est bien. Mais je sais au plus profond de moi que le but pour lequel j'ai été suscité n'a pas encore été atteint. Ne viens pas me parler de satisfaction. Je ne suis pas satisfait. Mais tu as beaucoup fait. Pour nous, c'est impressionnant, oui. Mais la question, c'est qu'est-ce que Dieu avait prévu? Qu'est-ce que Dieu avait prévu? Qu'est-ce que Dieu a prévu sur ta vie? C'est la soif qui te fait rechercher à porter encore plus de fruits alors que tu portes déjà du fruit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la soif. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, pas du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Paul ne se contentait pas du fruit. Paul voulait encore plus de fruits. Et j'ai vu ça là quand on était à cette semaine avec le pasteur Mohamed et plusieurs pasteurs de grandes églises. On était en Israël. Et c'est impressionnant. On était avec Bishop Dag Hewomirs. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est la soif qu'il a de gagner des âmes. Il va faire un séminaire avec nous. Pas avec nous, ici, c'est avec toutes les églises. Il va faire un séminaire ici. On va l'accueillir ici, en septembre. En tout cas, tout le monde doit être présent. Je t'assure, il y a des gens, quand tu les écoutes, tu gagnes du temps. Je te promets, il y a des gens qui te font gagner du temps. En m'écoutant, tu gagnes du temps. Moi, en l'observant, je gagne du temps. Il y a des erreurs que je ne commets pas. J'ai dit non, Seigneur. Mais ce qui m'impressionne, c'est la soif qu'il a. La soif qu'il a, la soif. On était nombreux. Il y avait des pasteurs de plusieurs églises, 100 églises, 50 églises, ICC, 40 églises, tout ça. Mais nous tous là devant lui, hein, on est insignifiants. Parce qu'à travers lui, il y a 3000 et plus de 3000 églises. À travers une personne, 3000 églises. J'ai dit comment? 3000. Maintenant, ils sont tellement nombreux qu'ils ont maintenant scindé ça en 10 dénominations différentes. Et comment? Donc, tu comprends que ce n'est pas avec 50 ou 100 églises que tu vas venir dire « Ouais, ça va mon gars ?» On dit quoi? On est au même niveau? Non. Mais ce qui m'impressionne, c'est que quand il parle, tu sens qu'il n'est pas satisfait. Il dit « Non, moi je ne m'arrête pas là. On doit gagner le monde. » Je dis « Oh, oh Seigneur miséricorde, aie pitié. » Je dis « Aie pitié. » Là, je me repens. Je dis « Aie pitié. » Aie pitié. Aie pitié. Alors quand toi tu vois quand quelqu'un dit ah c'est bien, vous êtes pas mal, je dis laisse-moi tranquille, on n'est pas malou, on n'a encore rien fait, fiche-moi la paix. Rejetant ce qui est en arrière, me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Quelqu'un me dit amen. Parce que sans la soif, tu t'arrêtes de courir. Et tu as l'illusion de croire que tu es arrivé. Parce que quand tu t'arrêtes de courir, ça veut dire que tu penses que tu es arrivé. Et c'est lorsqu'il n'y a plus de soif, m'a dit le Saint-Esprit, lorsqu'il n'y a plus la soif de Dieu, qu'une personne, qu'un pasteur, qu'un individu, qu'une église tombe dans le piège de la satisfaction, dans la même séduction qu'a connue l'église de Laodicée. Dans quel piège est tombée l'église de Laodicée? Apocalypse chapitre 3, verset 17. Avant ça, Jésus dit, puisses-tu être bouillon, et tu n'es ni froid ni bouillon, tu es tiède. Pas de place pour les tièdes. En verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas qu'en réalité, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Laodicée? C'est simple. C'est une église qui n'avait plus soif. C'est une église qui avait cessé de courir. C'est une église qui était satisfaite. Quelle séduction! Tu es satisfait
alors que Dieu n'est pas satisfait. Tu ne portes pas le fruit que Dieu attend, mais tu as l'impression que ta vie n'est pas mal. Ce qu'on appelle une séduction. Que Dieu nous délivre de cette séduction au nom de Jésus. Tu oses t'évaluer toi-même. Donc, tu es à la fois l'élève qui passe l'examen, mais tu prends également le rôle du correcteur qui corrige les examens. À la fois toi-même, tu es l'élève et tu es le correcteur. Tu te comportes comme étant celui qui te juge toi-même. Et tu te donnes des points. Pas mal pour moi. 8 sur 10, quelle séduction. Voyez-vous, dans Apocalypse 3, 17 ici, ce que le Saint-Esprit me montrait, c'est que ce que Jésus révèle, le problème de l'église de Laodicée, c'est qu'elle avait perdu la soif. Est-ce que le Saint-Esprit me montrait, c'est que le manque de soif ou la perte de la soif de Dieu t'emmène, il dit, à l'aveuglement. Remets Apocalypse 3, verset 17. Il dit, en fait, ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais pas. Mais aux yeux de Dieu, tu es pauvre. Le manque de soif t'amène à la pauvreté. Tu es spirituellement pauvre. Le manque de soif t'amène à la cécité. Tu es aveugle. Tu ne vois même pas les réalités. Est-ce que tu es séduit? Le manque de soif t'emmène à la nudité. Il dit, tu es nu. Et les gens qui ont nu ont besoin de se couvrir en permanence. C'est quoi la nudité? C'est le sentiment de culpabilité. Toujours tu te sens fautif. Toujours tu te sens coupable. Le manque de soif te rend misérable. Et il finit en disant, enfin pas il finit, mais le dernier point, c'est, il dit, tu es malheureux. Tu ne sais pas, mais tu es malheureux. La sensation intérieure d'être malheureux. De ne donc pas connaître le bonheur et d'être malheureux. Quelle ironie. Pendant qu'il me parlait sur ce message, hier, il me disait, tu vois, le manque de soif te rendra, te donnera, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu fais, quels que soient les diplômes, quelles que soient les performances, le manque de soif de Dieu donne aux gens une sensation, malgré les richesses, ils se sont enrichis, ils sont riches, mais le manque de soif de Dieu, bizarrement, produit un sentiment de misérabilisme, un sentiment d'être malheureux. Et il m'a dit, regarde le monde. Regarde les gens qui n'ont pas soif de moi. Regarde l'Occident, les États-Unis, l'Europe. Regarde tous ces pays développés. Comment peut-on être physiquement riche, s'être enrichi, avoir toutes les technologies, avoir la santé, avoir franchement ce qu'on n'a pas dans tant de pays ailleurs. Mais comment les gens peuvent-ils avoir autant ce sentiment d'être malheureux? Sans la population, les gens se sentent malheureux. Les gens ne sentent pas le bonheur. Les gens se sentent malheureux. Les gens se sentent misérables. Le taux de dépression en Europe, aux États-Unis, est tellement élevé. En Afrique, il y en a moins. Les gens n'ont pas tout ça. Mais les gens ne connaissent pas la dépression. On n'a pas le temps de déprimer. On ne connaît pas. Les gens, ils n'ont même pas à manger. Ils ont un repas par jour. Des fois, c'est un simple manioc. Mais regarde comment les enfants jouent. Des fois, ils jouent dans la boue au foot avec une espèce de ballon qui n'est pas un ballon. C'est un truc qu'ils ont bricolé. Mais tu les vois, ils sont simples. Ils ont juste l'impression d'être joyeux. En Europe, on a tout ça. Regarde le taux de suicide. Tentative de suicide. Dépression. Elle a tout. Tu as la télé. Il y en a qui n'ont pas la télé. Tu as Internet. Tu as la télé. Tu as Internet. Tu as accès à la CMU, couverture maladie universelle. Tu as tout ça. On ne comprend pas. Tu nous dis, oui, mais ça ne va pas. C'est ça le problème. C'est la soif. Tu as renoncé à la soif. Tu n'as plus la soif de Dieu. C'est misérable.
on est heureux avec rien. Nous en Afrique, excusez-moi, mon vieil homme est du ciel, mon nouvel homme est du ciel, mais mon vieil homme est d'Afrique. Mais j'ai grandi dans les deux continents. On n'a rien là-bas. Mais les gens sont contents. On ne se plaint pas, on ne s'apitoie pas. On n'a pas le temps, on ne connaît pas. J'ai appris la dépression en Europe. Moi, je ne suis pas déprimé, j'ai appris ces mots-là ici. J'ai appris le mot sexualité là, ici. Nous, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas ça là-bas. Si, bon, peut-être maintenant, ils ont amené ça, comme il y a maintenant beaucoup de mouvements migratoires. Ces choses, au commencement, chez nous, n'existaient pas. C'est l'Occident qui a amené ça. Il n'y a pas ça chez nous. Vos bis, vos trans, tout ça, nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît Adam et Ève. C'est comme ça qu'on a connu. Toi, tu veux nous amener quoi? Rechater les rebots. Oh! Non, mais c'est quoi ça? Ils sont tellement malheureux qu'ils sont en train de chercher à inventer toutes sortes d'artifices et de nouvelles choses qui n'ont jamais existé, de perversions, qui vont essayer de les, pour essayer de trouver une paix, une joie, un sentiment de bonheur. Le bonheur ne vient que de Dieu. Alors, repentez-vous, accourez, venez à Jésus, la source de la joie, de la paix et de la vie. Quelle ironie. Ils se sont enrichis à l'extérieur. Ils sont toujours malheureux. Consommation de drogue, de cannabis. Maintenant, on veut légaliser. Comme on n'arrive plus à combattre, on veut légaliser. Moi, j'ai appris le mot drogue dans les films occidentaux. Je n'ai pas vu ça chez nous. S'il y en a aujourd'hui, ce sont les occidentaux qui ont amené ça. On n'en a jamais besoin. Sniffer pourquoi? On est déjà content. Sont contents. Les gens qui sniffent sont malheureux. Leur sniffage, là, sniff, machin, c'est une manière de dire on est malheureux, on cherche le bonheur. On cherche le nirvana, mon gars, on ne trouve pas. Viens à Jésus. Aie soif de Dieu. Aie soif de Dieu. Chakata, les rebots, incline la tête avec moi. Anderebokos. J'ai soif de toi. J'ai soif. De toi, j'ai soif. Je sens sa présence ici. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Que des fleuves de vie. Aïe, les débos. Réveille la soif. Aïe, les débos. Lève les mains si tu as soif. Regarde mes mains levées. Oh, je te prie. Augmente la soif dans la personne qui a la main levée. Augmente la soif. Prépare les mots. Augmente la soif. Étanche la soif. Je n'ai pas soif de mariage. Je n'ai plus soif d'argent. Je n'ai plus soif du travail. J'ai soif de toi. Oh, ma
révérence. Les babas. Nous, un pack centre chrétien, nous disons. Nous avons paix. Oh, nous reconnaissons Jésus. C'est l'église qui prie et qui soupire. Lève les mains et reçois une nouvelle dimension de soif. C'est ce qui va libérer des fleuves. Je vois des fleuves de vivre jaillir de toi dans le nom de Jésus. Un feu nouveau vient sur l'église. Augmente la soif de l'église. Augmente la soif de l'église. Intensifie la soif de l'église. Prépare-nous à vivre Christ, à manifester Christ, à exprimer Christ. Emmène-nous mercredi, emmène-nous jeudi, pas tout le monde, mais uniquement les assoiffés de toi, les assoiffés de Dieu. Hey! Yeah! Les propos, yeah! Yeah, les côtés, les rémos, ma rémos. Oh ma père, oh ma père, j'ai. Oh ma père. Et soif, ne me laisse pas. Ne me laisse pas sec. Ne me laisse pas vide. Ne me laisse pas stérile. Que ma vie porte du fruit et que l'on porte beaucoup. Oh ma père. Soif de ta réalité. Soif de ta sainteté, soif de la vérité, soif de te connaître, de te refléter, soif de te vivre, soif de te témoigner, soif de te révéler, soif de te glorifier, soif de t'exprimer, soif de te rendre visible, car t'es l'érébosa, soif de ta volonté, soif de ta plénitude. Oh ma paix, oh ma paix. Si tu as soif, il dit viens reçois. Viens reçois. Oh, une nouvelle dimension sur l'église. Réveille un peuple assoiffé. Sors de l'assoupissement. Sors de l'affliction. Sors du tourment. Sors de l'oppression. Sors de la maladie. Sors des démons qui t'oppressaient. Sors de l'emprise des hôtels maléfiques. Sors. La soif fait jaillir les fleuves de vie. Les fleuves de vie. À ma pêche. J'ai soif. J'ai soif. Fais monter, j'ai. Fais encore plus fort, j'ai. Plus fort, plus fort. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration de désespéré. J'en ai assez de la sécheresse. Les choses de ce monde ne m'ont pas rendu heureux. Je me sentais malheureux parce qu'il manquait la soif. Hey! Les catalans avancent. Un assoiffé, comme un désespéré, ta chandelle et les mots pour ça. Saint-Esprit visite ton peuple. Visite un assoiffé, une assoiffé. Chandelle et les mots, y'a la dame, y'a la télé des mots, ça la dame. Oh ma père, réveille ma soif. Étanche ma soif. Ne laisse pas l'argent, le mariage, le travail, les choses, la guérison étanche ma soif. Non. Un seul étanchera ma soif. C'est Dieu par le Saint-Esprit. J'ai.
Lève les mains encore, j'ai. Pardonne-nous. Là où nous avons cessé de courir, pardonne-nous. Là où nous sommes sortis satisfaits, pardonne-nous. Nous levons les mains en signe d'humilité, d'abandon, de repentance. Rétablis la soif. Le cannabis, drogue, mariage, sexe, n'étanche pas la soif. Il n'y a que toi seul qui peut étancher notre soif. Abba Père, Abba Père. Élève la voix, répète avec moi ces paroles. Père, dans le nom de Jésus, pardonne-nous. Là où nous nous sommes arrêtés de courir, là où dans nos vies, la soif de Dieu, du Dieu vivant, a disparu. Pardonne notre sécheresse. Pardon. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous t'implorons. Restaure la soif. Au nom de Jésus. Amen. À une personne qui n'a pas reçu Jésus, le temps est avancé. Lève la main simplement là où tu es. Et à la fin de ce culte, tu viendras devant parce que je vais arrêter une personne qui n'a pas reçu Jésus. Qui dit, moi aussi je veux revenir à Jésus. Église, répétons ces paroles pour aider cette personne. Je ne sais pas où elle est. Je sais qu'il y en a au moins une. Et pour Dieu, c'est suffisant. Répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, pardonne ma sécheresse. Pardonne ma séparation de toi. Pardonne mon éloignement de toi. Aujourd'hui, viens dans ma vie. Je t'en supplie. Remplis-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Dans le sang de Jésus. Purifie-moi. Par le sang de Jésus. Relève-moi. Rétablis-moi. Dans ton intimité. Dans ta communion. Dans ta plénitude. Dans ta soif. Fais de moi la personne que tu veux que je devienne. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur Internet, la personne qui a fait cette prière doit cliquer sur le bouton. Doit cliquer sur le bouton pour répondre à cet appel. Et clique sur ce bouton et remplis le formulaire qui t'est proposé. La personne qui a fait cette prière dans cette salle, dans cet auditorium, dans une des salles de ce site, à la fin de ce service, je veux que tu viennes devant. Nous voulons t'accueillir. Enfin, tu vas venir, prends tes affaires. Quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois, qui a dit à Jésus de venir, prends tes affaires et viens devant. Viens devant vite. Viens devant vite. Prends tes affaires, viens devant vous. Une personne qui a fait cette prière pour la première fois dans toutes les salles de ce site, ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu as dit Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon Seigneur, et tu l'as dit pour la première fois, viens devant. Viens devant. Ça ce n'est pas acclamé. Acclamons mieux que cela. Mieux que cela. Acclamons mieux que cela pour ceux qui s'approchent et ceux qui reconnaissent que sans lui je ne peux rien. Que mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi. Continue d'acclamer. Il continue d'arriver. J'espère. Wow. We thank you, we bless you, Father. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. Bien-aimés, la prière, vous pouvez la prière, vous allez répéter avec moi. Je ne vais pas vous la faire répéter, vous l'avez déjà répétée. C'est une prière qui est tellement puissante.
C'est la prière par laquelle on invite Jésus à venir dans sa vie. C'est la prière que nous avons faite chacun d'entre nous un jour dans notre vie. Et quelque chose a démarré dans notre vie. Ça sera votre partage également au nom de Jésus. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Mais il faut qu'on vous explique ce que c'est. Il faut qu'on vous explique c'est quoi la suite. On commence, mais ce n'est pas à la fin. Ce n'est que le commencement. Nous voulons prendre vos coordonnées. Et cette semaine, nous allons vous contacter. On va vous prendre par la main. Et dans quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez pas. Le Saint-Esprit aura tellement fait. On ne vous reconnaîtra pas. Je vais vous demander de bien vouloir suivre. De bien vouloir suivre. Voilà, de bien vouloir suivre le frère Jesse qui est là, qui est le responsable, un des responsables des conseillers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci pour cette visitation. Nos acclamations signifient simplement que nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait parmi nous. Tu as étanché, tu as augmenté notre soif. Seigneur, que nous demeurons dans cette soif. Fortifie ton serviteur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons congé de nos bien-aimés qui communient avec nous par Internet. Nous les saluons et nous nous retrouvons durant la semaine. Je vous demande de bien vouloir prendre place juste quelques instants assez rapidement. Le temps est particulièrement avancé. Nous voulons accueillir particulièrement ceux qui sont arrivés avec nous, qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever juste assez rapidement. Lévez-vous, nous allons juste vous accueillir. Merci.